problème. Au contraire, m'a dit nous ça jodi. Et m'a dit nous li honnêtement. Sous besoin de stabilité, sous besoin de la paix, sous besoin de la paix définitivement dans le pays d'Haïti, ou même comme autorité dans l'État, utiliser Jimmy Chérisse Barbecue et pour avoir une la paix dans le pays. Ou après avoir une capacité pour récupérer toutes les âmes qui dans le pays, parce que bandi yo, c'est pour apprendre ou à laisser. Docteur Koni, flambeau dans mon, bâton gaillac là dans mon, bâton magique là, li dans mes peuples là. Oui, bâton magique là dans mes peuples là. Mais contrôle là dans mon. De jour en jour, me sentir qu'on capable de jouer légitimité à beaucoup de peuples là. Peuple là, on t'y a suivi de près, mais on pas de respect pour qu'on lève cette traite là. C'est à cause de ma bjou. Puis quand on est qui est au de qu'on lève cette traite qui l'a caprensé. Parce que ma bjou, ça je dis, même Jacques O'Connell, pas de yon là d'ailleurs, avec nèg patron qui oligarque corrompu qui derrière de yon, qui capable de financer une manifestation dans le Port-au-Prince là. Depuis au fel, yon compte blanc à vin Mario et au de Mario. Et ma bjou, ça pour vous, grand public là. Est-ce que nous connaissons tout nèg qui a fait politique dans le pays là, actuellement là, pas qu'à lancer une manifestation contre le gouvernement, qu'on y a, comme ça? Même j'ai pas tenu à dire, nous pas believe that. Selon ça que m'gagne comme petit l'ancien information, tout nèg qui n'a oligarchie, que blanc sanctionné yo, le jour où yo ta décaissé yon dollar ou bien participé dans une réunion pour planifier yon mouvement, crasé brisé contre gouvernement, docteur Konyan, parce que de si yon pral pran yon pral dit en pile, il a mis code dans bras nèg yo et c'est la justice haïtienne, la police dans la compagnie d'Haïti, il a fait mari yo et c'est sous l'ordre blanc. Est-ce que son fierté pour me dire sous l'ordre blanc? Non, ils m'ont fierté. Mais honnêtement, c'est blanc qui sanctionne voler yo, qui met en limite l'activité yo, qui fait que il va faire style sous nous. Les oligarques corrompus commencent à gérer limite dans pays là. On va l'expliquer. Oligarques corrompus, les assassins de Jovenel Moïse, qu'on est que pas jamais vivre en paix en dedans pays là. Faut passer dans mon calvaire pour eux. Qui quand tu t'es caille qui a vendre dans mon calvaire, caille oligarque. Faut passer dans montagne noire pour eux. Qui que tu te kay kap vendre dans montagne noire, kay oligarque. Côté négo vin vive. Et en pile là d'ailleurs, qui monte en Dominicani, kal vive en Dominicani et kap fait gros gros bout de toto investissement en Dominicani. Ok? C'est seul les boulos nous rete pour nous éradiquer, déchouquer total capital dans la COVID d'Haïti. C'est les boulos, les vob, pour nous déraciner yo net. Pour nous foutre mal propre ça au dehors dans le pays. Parce que ben volons ça yo, si nous pas mettre au dehors, garanti ou, on pas pichamon bon pays. Honnêtement. Ou la boulos? Ou haïtien qui dans diaspora qui envie al monton market dans pays a pour haïtien qui dans diaspora qui envie al monton market dans diaspora qui en Haïti haïtien qui dans diaspora besoin fond market en Haïti tout autant que nous pas déchouquer les boulos garanti nous ça pral grave pour nous parce que assassin ça yo méchant ça yo gang ça yo c'est comme si m'ta dire ou parler de market ou parler de signature original boulos ou parler de bien privé original boulos ou gen pays ou pour ou gen l'argent ou gen peur pour vivre travail et puis qu'on groupe de nèg qui dit que ou pas gen droit construire market ou pas gen droit rentrer dans business ça ou pas gen droit rentrer dans secteur ça y a pas assassiné ou et m'a dit très bien pour capable investir l'argent dans secteur ça directement ou doit organiser ou éradiquer les boulos en Haïti et c'est seul choix qu'on gagne pour pas rentrer dans spirale de violence là sinon y a éliminé ou parce que yo même la vie ou pas mis rien pour yo quand s'agit de faire l'argent pas n'importe qui moyen sous dos dans espace pour faire comme bon là yo pas voulez nous vivre en Haïti tant que monde. Et que nous payons, nous payons tout bagay net. Chaque monde de bien qui est capable de camper pour parler, pour défendre nous comme peuple, nous assassinons. Nous avons un juge qui est capable de protéger nous. Juge là, dans le système. Nous avons la police qui est là pour faire couverture pour nous, qui va assassiner monde de bien pour nous. Rien pas privé. Nous faisons tout bagay qui a fait avec toute impunité. Est-ce que nous sommes capables de quitter l'État, continuer comme ça? Moi-même, je dis non. Il faut que je dis, nous faisons tout effort qu'on est capable pour nous permettre que Haïti sorte de la situation difficile que nous avons mis là. Nous devons gommer. Gouverne d'arrache-pied pour nous faire effort que nous capables pour nous permettre que le pays a sorti l'entre difficile qu'il trouvait. Maintenant, nous parlons de nos dossiers qui est extrêmement important. Assassin criminel qui te fait un seul avec gang Tatsama Ozoyo, qui te kidnappé 16 missionnaires américains plus yon canadien fait 17 missionnaires. Pays m'tende. Yon yon qui se chef suprême base gang criminel assassin terroriste Tatsama Ozo, qui te condamné pour te passer toute ville en prison en Haïti, et que la justice américaine te voye FBI, te vide prend monsieur, suite avec implication monsieur, nan kidnapping qui te fait sous gang, alors sous, que gang nan te fait sous missionnaire américain yo. Monsieur yo te retiré Washington DC, qui se capitale politique mondiale lan, avec yon yon. Yon yon, vrai nom c'est Germaine Jolie, alias Yon Yon. Yon Yon, parlez. Yon Yon,
parler. Yon dit causé. Dans le gouvernement Ariel Henry, il y a un ministre qui était dans le kidnapping, qui était fait sous missionnaire. Non, c'est l'it qui tel. L'it qui tel. Et c'est même raison kidnappé ça, qui était kidnappé. Donc, alors, et Pasteur Ferrer, Pasteur Ferrer justement, pour l'it qui tel. Qui tel serrel dans Grand Ravine. Pas oublier, l'it qui tel te kidnappé, Pasteur Ferrer. Ambassade américaine qui dossier. C'est même équipe kidnappé ça, yo, que l'it qui tel te baillon, yon prat, alors, yon patrol blanc, dans le ministère, qui était pour le ministère de la justice, pour te kidnapper mon dans la rue. Et c'est pas seul docteur, alors Pasteur Ferrer, qui a été kidnappé seulement. Machine ça qu'on a dans le 400 Marozo. Et côté, missionnaire américain qui a été serré, côté de la serré, patron ça qu'on a l'espace là. La justice américaine était au courant. Ah, papa, voilà une idée. Il y a un pile de mais il n'y a pas privé le public parce que les gens sont sous liste pour que yo arrêté. Et de fait, de CPJ pour le gagner, c'est pas déjà dans le mail, c'est la chance. Il va le gagner, liste pour que lui, mais nous enquête pressé, bien détaillé pour contrôler les gens qui ont fait la tissu, les bons de travail pour que vous arrêtez les gens. Et vous avez une chance pour que vous arrêtez tout, extradé vers Washington DC, qui est la capitale politique mondiale. Peu pas ici, information qui m'a banou. Ancien commissaire gouvernement Bordeaux Brest, qui tape bataille contre vagabond, grand monde sans honte, grand monde devagondé, qui tape des prêts de Simon, 16 ans, 14 ans, qui nous terrait les Okiki. Et mais Jean-Wenel Senatus, qui te fait qualité de bataille ça, et bien, peuple a été venu sentir qu'il est capable de placer confiance de monsieur. Pour ça le dirige aux commissions justice au niveau parlement, au niveau sénat, mais ils ont voté monsieur comme sénateur l'Ouest. C'était bon monde que peut pas te connaître. Mais comme dans le département l'Ouest là et dans le pays d'Haïti en général, pas que personne qui est capable de faire politique voit pour arriver député, sénateur, magistrat sans gang. Et mais sénatus, selon toute dernière information, selon ça que au bail comme donné que nous va le temps de nos compatriotes, sénatus était impliqué dans des démarches pour que monsieur était collaboré avec des chefs de gang dans zone métropolitaine non, pour qu'il soit capable rentrer dans ces ghettos pour faire campagne. Exemple information que nous avons là, Jean-René Senatus, là pour terminer la campagne dans la zone et Badelma pour arriver à La Saline. Ou avec Jérémy Cité Soleil. Je suis contacté à Arnel Belizer. Qui c'est pour moi-même, une victime système dans tout parce que Arnel Belizer, c'est qui a utilisé fait tout le net. Moun dit le gang je voulais, ou manque tout le gens fait tout le bagage ma velle. Bon, Lila, bon, je balle la vie. Moi-même, pas de problème, Lila. Mais si pas là tout, il va me déranger parce que si moun de bientôt que je venais capable de parler, il va m'en prendre contact avec Arnel Belizer qui va vivre toujours. On avance. Et comme Anel Baminaye, on avance pas ici. Je dis que Zokiki est contacté Anel Belizer pour Anel Belizer te contacter des chefs de gang qui ne la saline que Anel Belizer te kon loué zam pour surveiller marché pour lui. Et Anel Belizer te avoué la vérité et que oui, il kon prête monsieur zam pour contrôler marché dans Kwa Bosal dans la saline. Anel Belizer te loué, c'est lui qui loué zam yo, yo kon bal kob chaque samedi. Parce que selon l'information marché chou pomme de terre et dans Kwa Bosal là. Puis petit cop qui marche sa compte bay, li compte bay 500 000 gouttes chaque samedi. C'est ça que nèg la saline compte toucher chaque samedi le dossier kidnapping pour qu'on va y payer parce que nèg compte faire combien dans domaine ça yo. Nèg bay marché et station camionnette bus yo bandi compte faire et recette. Zoki qui te collaborer avec des chefs de gang dans la saline, c'est le ça que yo dit. Parti qui pral qui plus grave pour Jean-René Senatus, c'est yon qui rentré États-Unis d'Amérique côté que la justice américaine non, et a questionné monsieur, l'FBI a questionné monsieur. Yon, a parlé dans tout le monde qu'elle cité qui mange dans l'argent et kidnapping qui te fait sous missionnaire américain. Yo. Alors, il pas rentré Jean-René Senatus comme nèg qui a kidnapping avec gang 400 Marozo. Vous nous ça. Jean-René Senatus pas et non impliqué dans l'affaire kidnapping. D'accord? Mais par conséquent, yon, et c'est la map du oui, l'État a fait travail, il a remonté. Et la justice américaine, elle a remonté. Depuis qu'il yon te commence avec le phénomène gang. 2013-2014, yon te nanchete nan base gang qui relait Texas. Texas, 2012-2013, j'étais là dedans. Ce petit gang qui te connaît monter pour ce monde, voler bagay moun, et bay moun pression enragé, dimi sur l'autre bois enragé, quoi de bouquet, et pour voler quelque chose, voler tout téléphone moun. Eh bien, 2014, il fait connaître que, et j'ai un sénateur qui prend l'élection, et bien ça, monsieur fait, monsieur, t'es besoin, que il était capable de contrôler une série de zones en plein dedans. Si monsieur ça aussi c'est une équipe actionnaire qui était tout le monde devine connait comme et bandi dans zone là et bien monsieur était 38 qui était gain de l'autre zame et bien on dit que plusieurs autres zame qui rentraient dans base là c'était ancien sénateur Jean-René Senatus qui était bail aux zame là c'est pas moi qui dit non c'est Yoyon qui a témoigné devant FBI oublié non charge que une série de nèg gain sous doyo Senatus pas gain mais c'est la justice américaine
FBI qui a questionné monsieur, qui dit monsieur depuis qu'il est, il commence dans le mouvement gang nan, et qui est-ce qui est le premier ami, qui est-ce qui est rentré dans ça. Et bien monsieur dit, c'était Jean-Wené Senatus qui était courageux. Yon yon avili, avili sénateur Senatus. Dans dossier ça. Li avili Jean-Wené Senatus dans dossier ça. Et sénateur Senatus répond, monsieur répond, monsieur dit qu'il n'a pas connu dans le dossier ça, et il pourrait permettre nous. Tandis, ça le dit, dans l'émission 1, et il y a un pile l'autre nèg qui est impliqué. Mais ça pour qu'il connaît. Groupe qui va le prendre Pigoku. Et tôt ou tard, il y a un acteur Nicolet capable de déporter aux États-Unis d'Amérique. Il est capable de déporter monsieur avec toute famille, ou Nicolet. Ou bien monsieur capable de marier, ou Nicolet de Radio et Télézénith. Radio et Télézénith ont en parfaite collaboration avec gang 400 Maozo, avec Texas qui devine 400 Maozo. Et c'est eux-mêmes qui aident le 400 Maozo. C'est Radio et Télézénith qui fait promotion pour gang. Parce qu'il y a un compromis entre boss qui t'a financé, gros boss, parce que le sénateur vient de tomber, remonter 400 Maozo. Vraiment, c'est 2018-2019, gang n'a vu une dimension qu'il prend. 2018-2019, gang n'a vu une dimension qu'il prend avec bataille politique qui vient mener pays log de 2019. C'était Radio et Télézénith, Luni Joseph, Oster Jean-Baptiste, Morin, Maître Morin. OK? Qui fait gang n'a grandi. Et puis, Anel Blézé était en parfaite collaboration avec gang n'a tout. T'es gagné distribution ZAM qui t'a fait, c'est des hommes d'affaires dans le secteur privé. Et bien justement, qui t'a distribué, bye, nèg politique de Anel Blézé, ZAM pour distribuer, bye, et messieurs qui a fait mouvement loc là dans Port-au-Prince là. Eh bien, Kassem Azoud vient prendre cher définitivement dans le pays Lok. Anel Blézé vient prendre code après déclaration qu'elle vient faire. Eh bien, Guillotte qui vient continuer. SDP vient prendre la relève définitivement, vient continuer avec le mouvement Krasé Briséa qui mettait sa gueule là. Et n'est-ce pas avancé? Gang vient prendre cher. Ils ont expliqué tout ça net, Abdi Noula. Ils ont expliqué tout ça net. Et ça cause un paquet de nègres et qui ne peuvent pas monter aux États-Unis encore. Ce sont des décisions qui sont réelles qui prend. Décision liée dans la justice américaine. Li nan affaires politiques américains, il est rentré dans l'immigration américaine. Monsieur Sayo, pape jamais rentré aux États-Unis américains encore. Petit yo, oui, peut-être qu'il a arrêté aux États-Unis. Madame yo, oui, qui est fait naturaliser américain, a peut-être capable de vivre dans le pays parce qu'il est fait aux américains. Mais quand tu as pour papa, qui sont politiciens haïtiens, qui est en volant, bah, ils avec des chefs de gang, et ces armes, ça yo, impliqué dans le kidnapping, missionnaire américain yo, n'est que ça paye sa chair et tout, ou ta y a pris un code. Ça veut dire qui ça? Il y a un pile nèg qui parle de problème en dedans pays. Jimmy Cherizier, alias barbecue, il s'est continué à dénoncer. On sait des policiers qui sont dans la police là. Et Normil Rameau, vous prenez ça comme note. Vous rentrez là, dans la direction générale de la police là. Vous parlez de regarder qui fait partie de l'état-major. Abdi Normil Rameau. Vous devez gonfler le point et tout. Mandez peuple à un support pour craser l'état-major ça qui est là. Sinon, la police ne va jamais capable de mener une opération pour le réussir. Parce que chaque qui là, il a besoin de remplacer comme directeur général. Yo chaque qui la nan gang, yo chaque qui la vive des drogues, yo chaque qui la vive de situation politique grave pays. Yo chaque qui la gros boss dans le secteur privé qui utilise pour faire pour implanter mouvement kawa en permanence dans le pays. Ça veut dire que ça. Directeur Normil Rameau, ou gen gros travail pour qu'on capable faire. Travail ça, on connaît li en pile, ou pas besoin de support. Mais on a jeune ni, bon côté nous de pour gen volonté. Tout d'abord, qui te me saluer tout le monde parce que nous va rentrer dans un chapitre qui est extrêmement important. M'a dit bonjour, bonsoir tout le monde. Et pas demander qui ou de qui l'heure, on t'attend nous, on regarde nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur la plateforme Panoua, qui est la plateforme YouTube, Info Bento. Ma part de nous partager, commenter, like, abonner, si vous pouvez abonner, parce que c'est extrêmement important pour que nous partager, commenter, like, abonner avec la plateforme. Non, c'est très, très intéressant. Docteur Gary Koni fait une intervention qui est extrêmement importante dans le retrait du gouvernement. Et M. Parlé, et avec sagesse, M. Dit vérité. Moi, même maintenant, attendez, et déclaration PM. Non. Et de manière stratégique, quoi, pour comprendre ce que M. dit. Et qui chante, ça fait communication, ça fait un jouet avec Negola, et son bel jouet. Monsieur pas pouté sous barre là, et à cheval, parce que le sacré le président Jovenel Moïse, le monsieur pour moi-même, j'ai une volonté, pour moi-même. Monsieur, j'ai une volonté, je me sentis à 58 l'année, monsieur en vie font bagaille. Peut-être que monsieur Bagay ne doit pas faire tout, mais je me sentis, monsieur, envie de mettre l'État sur un rail, pour que le président, qui est pour élire, je n'ai l'État, que, qui pas de trop de problèmes. En entendez, docteur Koni, on avance. Qui travaille depuis plusieurs jours, pour préparer à tout l'IA et pour assurer que nous avons toutes les informations que nous avons besoin de retour pour nous apprécier et reconnaître les amis de l'Alix. C'est un organisme qui s'il te plaît, qui vient de nous donner mais il y a quelques jours, on me dit, monsieur Soldat, nous avons eu sans hésiter le service de travail et vraiment on a senti sa main, son expérience, son savoir-faire, je vous remercie. Et évidemment, je suppose que vous avez tout de suite reconnu notre chef de cabinet, monsieur Manuel, le secrétaire général Camille, et parmi les vraiment, on a pu dire notre et ça a très très bien que le relais puisse servir à votre disposition. Je vous promets que très vite, vous allez utiliser la technologie,
on a une conversation avec nous beaucoup plus fluide, mais sachez que vous avez une primaturité là vraiment pour vous appuyer, pour vous supporter. La deuxième chose, c'est évidemment, on en a parlé le premier jour, nous comptons limiter, nous paquet de stress, pression, donc nous voulons aller très très vite, nous avons une population qui est en attente, donc nous obligés de manger nos gens pour une cohérence, pour une activité harmonieuse, pour une complémentarité, pour maximiser l'impact. On va essayer vraiment de mettre sous pied une action qui est axée sur les résultats. Nous allons arriver dans les prochains jours, quand la population exactement ça nous va réaliser, nous pour lui. Et n'a pas assuré nous que régulièrement nous avons le feedback sur comment on a avancé en toute transparence. Donc, nous pouvons comprendre que ça nous donne jusqu'à présent, c'est qu'après plusieurs heures d'échange, nous avons vu harmonieux ce qu'on va travailler ensemble pour nous faire un bon résultat. Nous faisons ça en plus de journalistes déjà, demandez nous, c'est atterri qui va pas atterri. Et finalement, évidemment, le plus important, parce que nous avons dit que le conseil présidentiel a demandé nous ça, déjà dans le dernier conseil de ministre, il y a besoin de faire une route là, il y a besoin de statuer sur lui, il y a besoin de faire un feedback sur lui, ce qui est normal, le ministère est le même en mission. Besoin eux-mêmes à partir de faire de route pour commencer à définir le plan opérationnel. Donc avec ça, je crois qu'on a suffisamment aujourd'hui, je ne sais pas si pour pouvoir avancer rapidement dans ce travail, j'aurais vraiment aimé qu'au prochain conseil mercredi, on puisse déjà avoir une débauche de ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Donc vraiment, je vous en félicite. Et évidemment, je vous aimé nous battre beaucoup, bravo pour nous toutes là, d'ailleurs, qui fait deux jours avec nous. Vraiment, c'est beaucoup, je sais que c'est beaucoup et on apprécie. Maintenant, peut-être pour terminer quelques points, bah, puisque nous ensemble, qui a peut-être servi d'orientation sur base. Ça, nous commençons ouais, déjà. Nous disons déjà que nous tous là, nous tous qui autour de table, on a fait de grands sacrifices et de grands engagements personnels et envie de voir ces mêmes acteurs, que c'est très apprécié. Monsieur, que nous sommes autour de table là, madame, nous petit, nous avons dit, nous avons cherché là, mais vous avez senti l'appel et vous avez décidé comme moi à faire le grand sacrifice pour un pays qu'on adore et qu'on aime beaucoup. Mais nous venons d'horizons divers, nous avons été choisis par des groupes différents et nous avons aussi des groupes d'intérêt. Mais moi, dire, c'est qu'à partir de maintenant, on est et on détermine ce que l'histoire va vous dire de nous. Est-ce que son paragraphe, est-ce que son lit, est-ce que son page, tout l'autre monde qui voyait nous là, tout l'autre monde qui choisit nous là, tout l'autre monde qui a décidé que là, quelque part, il a passé secondaire, ça qui est important là, c'est l'intérêt pays, et on a décidé pour jouer dans l'intérêt pays. Donc au fur et à mesure que nous n'avons pas besoin de travailler ensemble, mais comme nous sommes très très contents de Dynamica, compte tenu du fait que nous passons de même partie, nous n'avons pas les mêmes visions nécessairement, nous sommes d'horizons divers, nous sommes très très contents de dynamique, d'interaction, d'échange et de solidarité que nous avons dans le groupe là. Par contre, peut-être qu'il y a deux trois petits barrières que nous avons aimé, qui est important pour nous rappeler. En pile, ça nous voit faire dans différents ministères, mais modifier, changer avec enthousiasme, la volonté d'amener du nouveau, que d'ailleurs j'encourage à 100%, parce que le business as usual ne marcherait pas, donc encourager à nous faire preuve d'innovation. Mais il ne faut pas oublier non plus que des décisions ont été prises en conseil des ministres, ont été prises dans le contexte collectif. Donc avant nous avancer sur des dossiers, sur des grands changements qui sont capables de faire des décisions qui ont été prises en conseil, il est excessivement important que nous poursuivions. Ça prend 2-3 minutes pour mettre nous que la excessive, on a répondu très très vite à ça. Toujours prendre le temps de revenir vers le bureau du Premier ministre, dire nous, mais ça ne va pas faire, mais ça ne va pas faire, particulièrement dans les décisions sérieuses, il y a des implications nationales. Mm-hmm. Avec ça, on va battre une couverture tout. Attendez, ouais, monsieur, moi-même, façon que monsieur est comporté là. Et peut-être c'est sens lit tout naturellement, mais moi-même, j'aime monsieur hier. Et vous sentiez, docteur Kony, monsieur Gagné, et comme tu as dit ça, et un travail que l'envie fait. Et dans le gouvernement, dans l'État, qu'il connaît les pas d'accord, mais il veut rassurer tout le monde que le groupe yo nommé, vous voyez là, que c'est l'État qui vient servir, de faire des boulards, ou mettre tout, mais c'est pour payer à du travail. Mais le premier chef là, il faut sentir c'est lui-même. Il pas droit avec arrogance. Et tout le monde pas les mêmes gens, tout le monde pas les mêmes comportements. Mais on sentit que, c'est dit où, l'ovin là, c'est moi qui chef là. Et pas le monde qui vous là. Le monde qui vous là, le début vous déjà. Mais s'il vous voyez, s'il y a une volonté pour travailler pour payer, ou à travailler pour payer. Ou à dire que, ou à travailler pour payer chaque salement de vous faire, ou à dire que, oui, mais ça va pas d'accord, non? Et puis pour ça, l'abdou. Quand il connaît montrer ses bouts de ton chef là. Bravo, docteur Kony. Moi, mais ça, moi-même. Parce que l'on avec ses chefs, peut-être qu'avec arrogance, c'est pas arrogance qui va le montrer qu'il y a une autorité. Mais naturellement, c'est l'action qu'on va poser, qui va le montrer que naturellement, qui va déterminer qui autorité qu'on gagne en tant que et chef gouvernement. Attendez. Tout le monde qui a décidé que là, quelque part, Yo passé au secondaire. Secondaire, ça qui est important là, c'est l'intérêt pays. Et on a décidé pour jouer dans l'intérêt pays. Donc, au fur et à mesure que nous n'avons pas de travail ensemble, mais comme nous sommes très très contents de Dynamica, compte tenu du fait que nous passons de même partie, nous n'avons pas les mêmes visions nécessairement, nous sommes d'horizons divers, nous sommes très très contents de dynamique, d'interaction, d'échange et de solidarité que nous avons dans le groupe là. Par contre, peut-être qu'il y a deux, trois petits barrières que nous avons aimé, qui est important pour nous rappeler.
En pile, ça nous voit faire dans différents ministères. Nous, de modifier, changer avec enthousiasme la volonté d'amener du nouveau, que d'ailleurs j'encourage à 100%, parce que le business as usual ne marcherait pas, donc encourager une faible innovation. Mais il ne faut pas oublier non plus que des décisions ont été prises en conseil des ministres, ont été prises dans le contexte collectif. Donc, avant de nous avancer sur des dossiers, sur des grands changements qui sont capables de faire des décisions qui prises en conseil, il est excessivement important que nous consultions. Ça prend 2-3 minutes pour mettre nous que l'APEC excessive, on a pris très très vite à ça. Toujours pas le temps de revenir vers le bureau du Premier ministre, dire mais ça ne va pas faire, mais ça ne va pas faire, particulièrement les décisions sérieuses, il y a des implications nationales. Avec ça, on va battre une ouverture tout. On ne va pas pouvoir nous, si jamais il y a des conséquences, on connaît que nous tenons tout le gouvernement ensemble. Donc s'il ne vous plaît pas, jamais hésiter, consulter, nous promettre tout, que moi-même, quelque soit une décision importante caprice, on va toujours retourner vers cette équipe que j'ai, qui est une équipe excessivement qualifiée pour m'assurer nous que nous allons aller dans le même sens, c'est que nous ne pouvons rien contredit, contrecarrer, ça n'a fait. Donc vraiment, vraiment, on va nous prendre des décisions qui ont des implications très, très importantes. Et puis tout, pour mettre le conseil présidentiel là au courant. Vous voyez que c'est très important pour conseiller des décisions, ce n'est pas dans la radio, mais dans la télévision, le conseil présidentiel là, à pas venir. Ils sont toujours disponibles, on a décroché téléphone, même vidéo, que même on a fait là, on a discuté de lui, mais comment on doit faire, et bien avec ça, on a dans la radio, je pense qu'on leur doit ça. Donc je vous demande vraiment, vraiment de faire attention à ça. Évidemment, sans créer une bureaucratie supplémentaire, sans retarder les gestes, qui sont des gestes essentiels. Un bail qui est très important pour nous, nous parler de lui, c'est que. Nous songeons qu'il y a un fonds annonce pour suspendre le ministère, non, toute collecte de fonds non fiscalisés dans les ministères et les autres institutions, quelque forme que ce soit dans vos différents ministères, m'a amené aussi que nous avons toutes les dispositions pour que nous assurions que toute collecte de fonds non fiscalisés dans vos ministères, que nous régularisons. On a vraiment un travail avec le ministère des Finances et certainement avec l'équipement pour nous aider au maximum pour limiter. Ça, vous avez une bonne solution pour nous ranger ça, pour nous changer ça. Ça crée, comme pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre, ne pas rentrer là-dedans. Je crois que c'est un signal clair que nous voulons lancer et que nous avons gardé qualité de gouvernance. Nous avons songé tout que vendredi, c'est Barouelli, hier, nous avons annoncé que nous allons faire tout possible tout pour nous réduire l'absentéisme dans le ministère. Nous avons mis rapidement là pour nous prendre toutes les dispositions, même qu'à dire aujourd'hui, nous avons fait une excellente réunion avec le ministère de l'Intérieur. Et à dire, le WC a fait exercice l'année dernière, sur environ 3000 employés, aujourd'hui déjà 180 qui classifient absentéisme. Et nous avons pris la même procédure encore à Nissa. Donc, attendez, oui. Et c'est Sam Joe qui est fragile là. Oui. J'ai envie de faire la mission de manière stratégique et avec sagesse. Et bataille contre ça, nous les chèques zombies. Mon cap poucher l'argent l'État, qui ont de 30%, mais qui va jamais briser dans la poste, même pour une seconde. Et majorité dans yo, à l'étranger. Et c'est pendant la période Ariel là, qui ont tout arrivé dans l'État dans le niveau ça. Jovenel Moïse a retiré 23 000 chèques zombies. Et qu'on y a été passé à plus que 30% au niveau, comme si on a donné un emploi à l'État. C'est grave, monsieur. Quoi, il s'est méchant, pile, oui. Nous volons, nous méchants. Et puis nous pensons que nous apprenons comme on dit bien. C'est monde de bien, nous, c'est voler, nous, nous, on paye dans l'Italie, là, on a foutu manger comme pays, et puis nous pas travailler pour lui. Qui va possible? Il y a malheureux qui travaille pendant 25 ans dans l'État, 30 ans dans l'État, je veux dire, qui a la une retraite, yo. L'État pas même pas payé, même. Et puis nous, on a touché comme l'État, comme monde qui employe l'État, ça que nous pas jamais dans le bureau l'État un jour. Moi, nous, contre bureau, nous pas qu'à dire. Parce que nous, juste, on a la nomination, mais nous, et puis chaque navire, nous, ouais, attention, on a fait chaque mois, sous contrôle à l'étranger. Une gang sale. Encouragez-nous vraiment, mais soutenez rapidement. Vous gagnez pour nous être capables, au moins, connaître qui nous dit là, qui nous dit pas là, pour nous prendre la discussion. Donc, conseil de processus qu'on va proposer, les gens vont le proposer, Fendi. Évidemment, on n'a pas ajusté en fonction de la réalité, pas moi, même dans les secteurs comme objectif. Que nous capables de connaître. Il y en a pas avec un petit genre, l'homme de mon responsable, combien ça fait gagner un faux cadre, 10, 12 ou 15, pas à peu près 20. Donc, il est archi important pour nous pour nous faire cette lumière et pour nous assurer que maximiser et que l'efficience ressources que nous gagnons. Donc, s'il te plaît, dans les prochains jours, les prochaines semaines, prenez l'initiative, moi, le directeur des PQE, pour nous connaître exactement comment nous gagnons l'unité, comment nous gagnons. Ça va tout de l'espace. C'est lié à l'espace que nous avons besoin de tout le monde qui a travailler. Donc, ça, c'est un point qui est assez important pour nous. Je m'en rappelle, nous, et ceci encore une fois, c'est d'ailleurs dans le contexte là. Et je souhaitais que nous d'accord avec. Nous voyons un contexte côté certainement voir une pile pression politique. Nous voyons un contexte électoral, nous comprenons, côté voir une pile pression politique pour nous capables d'aider et retirer des collègues. Responsabilité, nous, c'est pour nous protéger, nous capables de travailler bien depuis des années dans le ministère. Et surtout pour que différents ministères ne soient pas instrumentalisés par les politiques. Et pour ça, primature là pour nous battre une certaine couverture. C'est pour ça que nous que tout ce qui concerne le mouvement de staff envoyé ou nommé, nous n'avons aimé que son décision nous vend collectivement. Donc Dieu seul sait que ce n'est pas pour autre intérêt que de vous protéger vous-même. Donc dis-nous, nous avons une pression nous valien, nous connaissons que nous connaissons un itinéraire, il y a des groupes qui ont dit nous, c'est à cause de moi là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, ça m'a dit, bon, pas capable pour ce premier ministre, pas quitter le faire.
ma ponche en Cameroun, mais il faut qu'on soit clair. Les mouvements de staff allés ou venus, les ministères qui concernent, qui ont un impact sur le nombre de personnels dans le ministère, s'il te plaît, faire venir en discuter ensemble de la pertinence, en discuter ensemble de l'urgence, en discuter ensemble de l'implication, en discuter ensemble du processus pour assurer notre que vous modernisez Jean-Paul Boutemoun. C'est l'opportunité pour nous de faire ça et vous pouvez compter sur moi pour vous appuyer. Nous, déjà, créons une task force pour la mise en commun des chantiers des institutions de contrôle afin d'aboutir à une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous pensons que c'est une des plus grandes opportunités période d'exception. Ça. Et nous avons déjà de manière historique. Nous sommes prêts à former un groupe, même autour de ça, pour nous convaincre à capitaliser cette période d'exception, pour nous essayer de moderniser autant que possible, au moins dans le rapport de cadre légal, institution, l'État. Donc, dans vos ministères respectifs, ce serait une bonne opportunité pour vous d'avoir des cadres, de regarder déjà plus loin, qui ça nous a fait pour moderniser les institutions, ne serait-ce que pour nous quitter des recommandations très très claires sur ça gouvernement élu a pu envisager très rapidement en termes de propositions. Donc, en plus de ça, nous voyons dans quatre chantiers, vraiment, on espère que nous, chaque membre des équipes, qui a regardé l'institution. Nous faisons des bagages à dessein, nous avons certains ministères, par exemple, qui le ministère va jumeler, mais le ministère est en tête d'un seul ministre. Et ça a été fait volontairement, c'est un premier pas vers une réévaluation de la nécessité d'avoir un certain nombre de ministères et sur l'efficience, l'efficacité d'avoir des ministères séparés. On sait que les décisions peuvent être prises en vain. Moi-même, sur peut-être plus d'une soixantaine de pays que nous visitons, nous avons proposé un modèle ça sur la base de ça, pour marcher bien dans notre pays qui a une réalité similaire avec Haïti. Donc, c'est une bonne idée aussi pour vous d'ajouter dans votre agenda, dans vos priorités, de faire tout ce que vous pouvez pour laisser cet héritage-là à ceux qui vont nous suivre. Donc, en gros, il ne me reste vraiment qu'à vous remercier. Vous pensez que la pas avancé bien. Vous comprenez que l'attente est légitime, vous comprenez que le monde est pressé, vous comprenez que le bail est urgent. Mais dans le fond, vous croyez que là, nous vraiment, ça va être les instruments qu'il nous faut pour pouvoir aller vite. Donc, encore une fois, peut-être le dernier point. En très peu de temps, nous sommes arrivés dans ton cabinet technique, mais essentiellement, cabinet technique habitué à arriver à fonctionner parce que je joins un fond de cadre d'imprimature qui vient des années d'expérience, qui est vraiment très outillé et qui rend le processus là excessivement facile. Là, il y a un petit peu de cadre de la vie. Quand tu l'as d'ailleurs, tu l'as avec moi il y a 12 ans, on se rend compte dimanche demain, et puis bon, on commence à travailler plus vite. Merci. Très bien. Alors naturellement, moi-même honnêtement, m'a dit non les, m'a pas gueulé avec Dr. Garigoni du tout, parce que Monsieur c'est un espoir pour que vous-même qui vivez dans la diaspora, qui rêvez rentrer à vivre dans le pays où, et pour meilleures conditions, pour une meilleure condition pour que vous capable de vivre, parce que vous-même vous avez besoin, vous campez là nous pas vivre de l'État, mais nous besoin de créer propre activité nous pour nous vivre de lui. Parce qu'ils ont besoin de pays côté que tout haïtien capable de faire business que vous voulez à la dedans. Il suffit que vous respectez la loi mandéa. Comment tu comprends que c'est son seul groupe monde qui doit pour entrer avec un produit qui est Gédoré dans le pays d'Haïti. Attendez bien oui, Gédoré là lui-même, c'est son seul groupe monde qui doit rentrer. C'est par exemple un haïtien aux États-Unis d'Amérique qui a envie rentrer avec un 500 bientôt 1000 caisses Gédoré, depuis il rentre dans douane au Cap là, un groupe directeur douane même, lui relé, on est Port-au-Prince pour dire que mon Gédoré est entré là, est-ce que c'est vous même qui fait rentrer? Nèg a dit non et puis bloqué. Haïtien ça directeur douane aussi pour prendre footballer sous place publique et cap haïtien. Parce que c'est où directeur douane. Soit haïtien coyé ou méchant. Comment tu ka comprendre pour haïtien à vivre bien aux États-Unis, il va connait rouler machine 98 99, il a possibilité pour le cacher ton machine tout neuf. Et ton téléphone fort, il peut machine off et puis dans le pays la velle. Quand il vient dans douane pays d'Haïti parce que machine son Range Rover qu'il y est, son BMW qu'il y est, son Toyota qu'il y est, c'est comme tu as dit ça, son Volkswagen qu'il y est, et puis nous dit mais tel que secteur qui pourrait avec machine ça, rete. Ou même comme directeur douane sur prend pas nous. Et c'est peuple dans département que pas nous parce qu'on méchant, ou détruit Haïti, ou détruit propre Haïti pareil au bénéfice d'un groupe qui parle Haïti. Et donc qu'on doit arranger ça pour nous au niveau de l'État. Vous un signal clair, bah tout criminel, bah tout assassin qui pratique ça dans l'État. Il faut que nous changeons, donner ça. Il faut que nous fassions dans l'immédiat. Bravo avec Dr. Kony. Si je cherche, si nous permettons à chercher et une intervention que Dr. Kony a fait, c'était avant que M. rentré, oui. Et voilà, ok. Mais une intervention que m'était toujours passé pour nous, c'était depuis en 2012. Mais que c'était à Bruxelles. Et ça a dit qu'il était à le couvrir. Le Sagaï Kony, pas de premier ministre encore. En nous tendez. Et puis, nous tendez de monde à parler. Pour moi, M. n'est pas changé. Monsieur Kouba Gandal, qui nous a exploité. Et à 58 ans, voilà, monsieur te gagné, bah moi, actuellement, monsieur a 58 ans, c'était en 2012, ça veut dire que 12 ans de cela. Monsieur te gagné environ 46 ans, c'est ça?
Fait me songer, pas connait. Il 48 ans, il 48 ans. Bah moi c'est le 12 ans, les c'était 60 à 48. Environ 46 ans, mais whatever. On avance. Docteur Koni, tes jeunes garçons là, la quarantaine. Voilà, quarantaine avancée, si me permettre de dire comme ça. En tant de façon que monsieur t'a exprimé, le monsieur a participé dans sommet quelques journalistes haïtiens de Croisel et veut la poser la question. On faut attendre ça et puis parce que nous besoin exploiter bagarre dans docteur Koni. Mais faut pas le temps pour le respirer. Ça cause nous à côté monsieur. Nous pas mettre en bagage li. Mais n'a pas kebemel, n'a pas dit l'avancé. Nous d'ailleurs doul, n'a pas supporté, n'a pas pesé, n'a pas dit l'avancé. Pas prendre pression dans mes couleurs cette tête. Parce que, ne pas avec couleurs cette tête là, Haïti pas vleur. Si quel respect gué là, c'est Haïtien, c'est ou même yon commencé baïli. Parce que yon pas content de nous avancer, mais yon content de nous voler. Mais de fait, ou gué preuve pour qu'on fait, ramasser crédit sa peuple en vie fort là, docteur Koni. En attendant de ça, c'est une déclaration qui a été faite en 2012. Bien sûr, 2012. Mais je n'ai pas l'idée. Internet 24 sur 24. Alors, Internet disponible pour tout Haïtien. Mais pour Internet, il faut l'électricité. On faut tirer Dr. Koni avec un bel intérêt. D'après moi, ça, oui. On a contenté de ça encore. UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute Columbia, pour nous aider tout dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. On a rappelé tout le monde qu'en l'an 2000, pays ont été entendu son agenda qui ont été les objectifs du millénaire. Objectifs du millénaire ont expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entende sous qui cadre qui pourra remplacer objectifs du millénaire. Donc, qui nouveaux objectifs, qui nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer, pourra le bâtir. Et c'est un petit peu discussion sérieuse que l'Union européenne a focus là, je dis. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qui a bien dans le prochain cadre, là, c'est que nous avons focus toutefois ça sur des créations de richesses, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a aimé réduire là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, Antonio et Abtaba ensemble aux compositions communes et position commune ça essentiellement axé sur quatre points importants que l'Afrique voulait ouais le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas pu continuer à faite s'il n'est pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas faite avec beaucoup moins de pression sous et environnement global là qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est un ensemble de discussions ça que nous vivons là aujourd'hui hein, pour nous arriver à un processus ça, très différent. De ça qui a passé là, qu'on y a par rapport à ça qui est passé en 2000. En 2000, ils sont un petit groupe qui était réuni et puis qui définit un agenda et puis ensuite le monde adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer dans la définition cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était Nations Unies. Tu as presque demandé qui ça l'Europe. En fait, qui ça l'Europe a fait la question. D'autant que discours, il n'y a pas forcément, même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 ans, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux abordent des questions qui permettent que la situation fait comme ça? Une question très intéressante. Nations Unies, by Tetley, ont séri d'instruments et un processus pour être capable de définir l'agenda post-2015 ans. Et ils créent, ça veut dire, un Open Working Group, un groupe de travail qui, au moment où on parle, a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, États membres pourraient venir, pourraient voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, veulent assurer que eux-mêmes tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, ni même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça que c'est un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un et agenda post-2015. Donc, si tu veux, c'est un effort, combiné de toute structure ça pour influencer le document final. Mais il n'y a pas de doute que le document final, ça, c'est les États membres, dans Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pourra chiter ensemble, qui pourra le voter, qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et qu'il y a des différences assez marquées comme d'ailleurs attirer attention aux sources. Là, par exemple, pour Bola Kaino, latino-américain, il y a des langages bien spécifiques qu'il voulait. Il voulait, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'il y a une pique aux menaces qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Son point de gain, c'est qu'à partir de 2030, on parle gain des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, le monde, ça, évidemment, il ne va pas consommer énergie, il ne va pas manger viande, donc, consommation va augmenter. Et au moment actuel, une étude qui montre qu'au niveau actuel de consommation, nous avons consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nous avons fait pour augmenter la richesse de chaque individu. Chaque individu, ça a donc besoin de consommer plus. Et comment faire consommer plus sans avoir des bons effets délétères ou effets négatifs sur l'environnement. Donc, ces discussions, ça a été faites là, pour nous lier à la fois
post-2015, qui s'agenda qu'à remplacer les objectifs du millénaire, mais tout post-Rio plus 20, parce qu'on a changé au Brésil, en Rio plus 20, c'est qu'on paquet de discussions sur ça, le développement durable et ces trois piliers, et c'est tous les deux mouvements qui ont concilié la Rounia pour arriver à un agenda final. L'Europe là, loin, non? C'est Belgique, loin, journée européenne de développement, on parlait de Haïti. Qui, par exemple, l'importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement, dans qui sens vous pensez discussion qu'a fait pendant deux jours ça est capable de gagner influence ou bien capable d'impliquer Haïti? La première influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que discussion ça qu'a fait au niveau mondial pour le définir comment partenaire comporter. L'un des objectifs du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bayer, avec partenaire, dit ah, m'baoué la santé là, m'baoué l'éducation là, formez-le dans le programme pour me supporter. Fois ça, ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout, l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que dans 10 prochaines années, pour tout Haïtien ait accès à Internet. Maintenant, bon Dieu fait pour moi, docteur Gary Conille, rentrer là. Si que vous rentrez là, je dis là aussi seul, et pour moi-même, ou presque seul chef à bord, et ou presque seul chef à bord, ça veut dire que ou ka aider nous dans ça parce que nous gagnons deux compagnies et ka fin avec nous en Haïti deux compagnies téléphone yo fait ça yo vle Jean yo vle les au pipito pas gen personne qui capable dire rien yo prend comme la même malheureuse là pour ba internet là yo prend internet là bac dans mel internet là pas bon li pas rapide pendant ce temps là dans la Dominicanie ou payer pour internet ou joindre internet ou payer pour joindre petit bagage pour ka parler ou payer ou joindre petit bagage pour ka parler ou joindre dans façon jouer ou de joindre. Ou payer pour un plan internet pour moi, il gagne rapidité à pendant tout mois. L'autre mois vient nous payer encore, il gagne rapidité pendant tout mois. Mais en Haïti, paye un cob là, n'gardou pour moi. Depuis sur 8 jours, internet là volume n'a baissé. Volume n'a baissé. Parce que personne t'a parlé de ça. Digicel et Netcom. Faut que nous qui compagnie internet sérieux pour tout monde ait accès à internet. C'est seul l'argent qui pourrait tout. Et faut que docteur Conille et les mène comme ça. Et ça que me râler, c'est intervention de côté fait depuis 2012. Vous êtes dans 10 prochaines années pour venir. Mais de fait, nous en dedans là. Nous en dedans là, docteur Conille. Nous en dedans. Et bon Dieu pour nous, vous venez comme premier ministre. Comme bon, qui te parle toujours. Parce que, parole ça, vous avez béni. Vous avez béni. Parce que je sens qu'on a une volonté, la caillou. Il faut que nous accompagnions. Vous avez une volonté, cette tête, et qui est tête ouan. Et de fait, vous avez chef là, vous avez seul chef à bord, de vous décider de faire ça ou faire pour le peuple là. En avance. Pays qu'on croit être essayé faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser énergie pas, comment ou même ou pour mettre en place processus pour. Donc par exemple présidentiel Ifla lui-même la Cali, il a un problème de ressources naturelles, il a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que on paquette comme fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, vous voulez assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour eux incluent tout dans l'agenda global.